J'évoquais la conscience du corps. Elle va naturellement se développer au fil des jours. C'est très important, parce que c'est cette conscience qui permet de repérer les sensations corporelles externes, mais aussi le ressenti vaginal interne. Autrement dit, c'est notre porte d'accès sensorielle. Lorsque vous êtes effleuré, lorsqu'on vous caresse, lorsqu'on vous palpe ou lorsque vous êtes pétri, cela imprime à votre corps des sensations très différentes en fonction des récepteurs sollicités. De la même manière, lorsque c'est vous qui touchez, vous êtes soumise à des sensations différentes. Ça, c'est aussi vrai pour votre vagin. Plus vous serez capable de vivre en conscience les sensations qui s'y développent, plus l'accès au plaisir sera facilité. Pour cette séquence, je vous conseille de télécharger le MP3 et de suivre les instructions tout en faisant l'exercice. Ça va vous aider à conscientiser chacun de vos mouvements. Et là encore, d'ici quelques temps, c'est un apprentissage qui sera devenu un automatisme. Alors bon voyage. Je vous retrouve demain.